Parricide, meurtrière reconnue, autoflagellation, blessé gravement. Je crois que t'es pas bien aimé en fait. Il y a un moment, je crois que la duchesse de Calabre, elle a fait quelque chose, fallait pas qu'elle fasse quoi. Elle a tué du monde, elle se flagelle pour ça. Ça fait pas très propre, hein. Alors, mon pupille, il est en intendance, très bien. Ouais, j'ai capturé un otage de valeur. Est-ce que ça peut nous rapporter du pognon, ça? Sont 19 pièces. Je prends. Bon, j'ai quand même 100% de la victoire. Ok. Toi, t'es quoi, toi? Pourquoi j'ai récupéré des catholiques, moi? Bon, pas très grave. Mon pupille. Je vais t'accorder le titre de Dokum. Et tu finiras duc. Et on va essayer de forcer ces gens-là à se convertir. On va commencer à t'influencer, toi d'abord. Comme ça nous facilitera les choses. On peut faire encore des conversions? Ouais. Qu'est-ce que c'est que je suis un peu l'avatar de tous les enfants non désirés? Enfin, c'est ce premier. C'est quoi? Attendez, attendez. J'ai même pas vu. C'était quoi la prédiction? C'était quoi la prédiction? L'ai même pas vu. Mes agents se préparent. Bon appétit, Simon. Est-ce qu'on peut l'empoisonner? Une chance sur 3 de tuer. Le poison n'a pas eu l'effet escompté, a simplement laissé le Santerre alité pendant une semaine. Pour rien de changer, l'herboriste, d'accord. Bon, bah, malheureusement, j'ai été découvert. Est-ce que je passe. Non. On sait que je veux assassiner quelqu'un, mais en soi. Ah merde. Dommage. Je peux rançonner du monde. Pour 15 euros, 15 balles, je prends. Comte Snorri, oui. Très bien. Ok. Bon, bah ça c'est pas mal. On aura fait. Alors. Par contre, on va. Il a combien d'armées, lui? Il a quasiment 12 000 troupes. Je pense que ça va aller se taper, ça. Hein. Attendez, il est en guerre contre l'Empire? Ah! Ah! Alors le problème, c'est que si on fait la guerre, qu'on prend le territoire en premier, il y a quand même une petite chance. Ah mais attendez, mais il attaque celui-là, c'est où ça? Ah mais non, mais si c'est là, mais on s'en fout! Ah oui, quand même. Ouais, mais on s'en fout en fait. Donc, non, on peut attaquer ça tranquillement. C'est plus juste une petite guerre de conquête, trois fois rien. On lève tout ici. Ah, l'héritier va-t-il survivre? Ah, vous le laissez tranquille. Vous le laissez tranquille, mon héritier. Ah, je vous vois arriver, messieurs. Hein.
Lui, là, il commence à me courir sur le haricot, lui. Il y a un moment, il va falloir qu'on le tabasse. Parce qu'à force de piller à côté de chez nous, là, ça fait un peu beaucoup. J'ai peut-être pas besoin de lever tout ça. Si, bon, bah, d'accord, j'ai tout levé. Ok. Un champion est arrivé. Recruter à la cour. Il y a des factions qui bougent depuis tout à l'heure, là. Je crois qu'il y a des catholiques et des mauvaises cultures. Il y a du sacrifice occulte. Ah, mais je n'en doute pas que vous faites ça. Vous n'avez donc aucune pitié pour mon pauvre héritier? Il a qu'un an? Et déjà, vous voulez l'assassiner? Balaf. D'accord. Mon neveu est impressionné. Patient. C'est bien patient. Il va prendre de bonnes qualités, ce gamin. Ma gloire est bien connue, ça j'aime beaucoup. Ah, on se met plein d'argent, plein de gloire dans les poches, j'aime beaucoup. Par contre, Syracuse, il va peut-être falloir qu'on construise. On avait dit les terres avec les pâturages parce qu'il faut de l'infanterie lourde, c'est ça? Non, pas ça. C'était quoi? C'était ça qui avait de l'infanterie lourde dedans? Homme d'armes maintenance, escarmouche, c'est pas ça. C'était la caserne pour l'infanterie lourde. La caserne pour l'infanterie lourde, hein. Peut-être faire une caserne quand même. Fait beaucoup d'hommes pour une petite île, ouais, ce sont des choses qui arrivent. On a perdu notre intendant. Il nous faudra un bon intendant. Ouh, la reine de Francie-Occident. Quoi? C'est vrai que j'ai pas fait ça. Faudrait qu'on monte en autorité de la couronne limitée. On va déjà faire ça. Pourquoi je peux pas? 130 balles! 130 balles! Ah, quand même! C'est une diplomate, alors parler de diplomatie. Ok, elle m'aime un peu mieux. Donc il y a des territoires qui vont revenir au royaume de France dans l'histoire. C'est ce qui m'embête un petit peu.
C'est ce qui m'embête un petit peu. Parce que le titre qu'on peut perdre, l'épouse du roi de France, c'est elle, et elle a ce comté-là. Comté de Frise orientale. Le problème étant, alors on essaye de convertir cette personne-là, donc ça m'ira. Après, est-ce que son fils est à sa cour ou est-ce qu'il est à la cour de son père? Il n'est pas à la cour ni de son père ni autre. Le problème, c'est qu'elle va pas essayer de se convertir si on convertit sa mère. Ça passera pas. Ça passera pas, ça passera jamais, ça. Et assassiner tous les enfants changera pas grand-chose. Surtout la reine de France comme intendante. C'est encore mieux, tu vois. T'en as un point où t'as plus rien à faire, quoi. Et elle est influencée, cette comtesse. Donc on va pouvoir, je pense, la convertir. Pour faire une bonne nordique, hein. Parce que surtout si on arrive à faire en sorte que lui devienne duc. Il pourrait faire la guerre à... Faction pour la liberté. Sérieusement? Une autorité de la couronne plus basse. Il vient juste de la monter. Alors, nouveau poème. Quand un si beau visage est ôté à la vue, ceux qui restent sont pris au dépourvu. Lorsqu'un si grand homme disparaît, il est rare que quelqu'un n'ait pas de regrets. Ouais. Les inepties, je vois pas l'intérêt, mais. Ok. Pourquoi pas? Ça baisse mon stress. Ce qui m'inquiète, c'est eux là. Ce qu'ils ont passé légèrement. Lui, à la rigueur, si je lui ai envoyé un petit cadeau. Mais envoyer un cadeau, ça coûte combien là? 213 pièces. Enfin, il faudrait bien plus que ça. Après, si mes armées remontent, mais bon, c'est juste 200 points, ça va pas faire grand-chose. Que des gens quittent cette faction de la liberté. Le berserker qui s'ennuie. Votre attention, je suis Heminger le naïf. Apportez-moi des chopes de bière, des femmes et des petits pains. Ou autrement, vous subirez mon courroux, hurle l'homme à la foule à se rassembler. De toute évidence, ce guerrier imposant s'ennuie et cherche les problèmes. Peut-être que sa rage serait mieux utilisée dans mes rangs. Vas-y, rejoins mes rangs. Problème, c'est que j'ai pas de thunes en fait. J'ai pas beaucoup de thunes. J'ai peur que cette faction elle me fasse un peu chier. Et elle est là dans 5 mois. Bien sûr, je conseille droit de conseil garanti. Ah, il a un droit au conseil garanti, lui? Ah non, il a pas. Donc je m'en fous. Opinion de la culture, ignore l'opinion négative liée à la culture. Et ça, je peux pas le changer avant le 24 décembre 1997. Donc on va attendre un petit peu. Et on changera à ce moment-là. Tant pis si on fait retomber le... Ça m'embête. Parce que la France, c'est quoi? C'est 9000 hommes. Parce qu'elle, on pourrait révoquer son titre, hein, sur le principe.
problème, c'est que ça c'est pas. Est-ce que vous pensez qu'on le tente ce combat? On n'a pas d'argent. De toute façon, le prestige, on l'aura forcément. Donc, Cléacine, vos prisons semblent un peu bondées, peut-être. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, c'est vrai! J'avais oublié ça. Un champion est arrivé. Il est intéressant. Est-ce qu'on peut le recruter à la cour? Pour 40 balles, j'accepte. On a 18 personnes. Dont cette personne qui est une fornicatrice. Ah, c'est un acte de tyrannie, merde. Ça, c'est un catholique. C'est pas de la tyrannie, tout va bien. Elle aussi, elle butine n'importe où. Maladie de Cupidon. Ah non, lui aussi, pardon. Bon, bah. Chose qui arrive. Une carolingienne, ça c'est un peu triste pour elle. Ah, elle a 12 ans, par contre elle a un trait qui me plaît bien. Vigoureuse, ça me plaît beaucoup, mais... Peut-être la garder pour en faire une concubine au besoin. Commençons par les hommes, hein, toujours. Je suis à combien? 92. Je peux peut-être en calmer quelques-uns. J'avais oublié ce petit truc-là. Est-ce que ça va les calmer? Intimidé. Lui n'est pas intimidé. Il y en a un d'intimidé au milieu, mais pas tous. Il reste 3 mois, on va voir ce que ça donne. Son hameçon faible, ouais, mais j'ai pas de quoi payer son hameçon, enfin récupérer de l'argent sur son hameçon pour le moment. Si j'ai 100%, est-ce que ça va le faire dans 2 mois? Est-ce que ça va suffire 100%? 'Sont pas plus impressionnés que ça, hein. Mais en fait c'est tous des berserks, donc je me dis que les berserks en fait sont pas très impressionnables. Ce qui est un peu gênant. Et lui en plus c'est un débauché. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai massacré du... impôt exorbitant. Cour règne. Au pire, si c'est que baisser l'autorité de la couronne, ça me dérange pas plus que ça. Parce que j'ai quand même de l'argent, j'ai quand même mon prestige. C'est pas si gênant.
Bah, les prisons, c'est surtout qu'après, s'ils sont trop chiants, on les met au cachot, mais c'est à double tranchant, quoi. On va accepter ça pour l'instant. L'Égypte, c'est quoi? C'est allié à qui, ça? Cheikha de Yerbil, c'est où, ça, Yerbil? Oh, c'est paumé là-bas au fond, ok. Et l'Égypte, c'est ça. L'Égypte, c'est 1159 personnes. Est-ce qu'on ne commencerait pas à aller chercher Farama directement pour ensuite aller chercher le Caire? C'est pas super riche, Farama, mais... Ah ouais, on aurait le royaume de Jérusalem sur le, sur les pattes, quoi. Bon, après... Je peux pas te déclarer la guerre pour le comté de Farama. Histoire de faire plaisir à Falsehag. Oui, alors on peut pas attaquer le Caire directement, malheureusement. Il faut qu'on commence par le reste, mais on va y aller petit à petit. C'est vrai que l'université sera utile, mais je crois qu'on peut avoir une université à Syracuse, non? On n'a pas ça aussi? Il n'y a pas de possibilité d'université à Syracuse? C'est peut-être Palerme. Parce qu'on a Palerme, donc non, on n'a pas le... Ah non, c'est peut-être pas Palerme. C'est quoi? C'est Naples alors? Non, c'est lequel? Après, il y a Rome peut-être. On a Colisée. Mur d'Aurélien, bâtiment ducal, d'accord. Oui, il va falloir attendre un petit moment alors que les pyramides c'est instantané. Oui, mais de toute façon, on va certainement prendre le coin, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je vais m'installer, hein, on va nettoyer un peu le coin. Vous pensez donc? De toute façon, il faut déjà qu'on complète nos armées. Faut déjà qu'on passe les différents éléments de culture. Là, faut qu'on avance. On est sacrément en retard hein, sur les cultures. Donc, il va falloir qu'on avance là-dessus. C'est certain. Toute façon, faut déjà qu'on. Maintenant, il faut l'objectif à court terme, c'est prendre l'Angleterre pour créer le haut royaume du Nord. Ensuite, de toute façon, ben, ça, prendre ces territoires, ça va être facile. Et aller chercher Socotra, puis ensuite des îles dans l'océan Indien, notamment les Maldives. C'est pas ce qui sera le plus difficile pour poser la capitale. Hein. Donc, clairement, on fera peut-être pas sur ce live-là, mais... Non, elle me menace plus. J'ai accepté le fait de baisser... tu vois, je suis retombé en autorité de la vassaux autonome. Mais on gérera ça par la suite. Là, c'est le temps qu'en fait nos territoires, on augmente l'argent, on augmente les armées, et après on pourra plus facilement écraser nos adversaires. Ma concubine est à nouveau enceinte. Fous-moi la paix, s'il te plaît. D'ailleurs, mon fils est éduqué par qui? Par personne. Toute façon, je vais bientôt finir mon éducation avec cet homme-là, donc je vais pouvoir éduquer mon fils. Ça devrait le faire. Non, pas de souci, pas de souci. Désolé, je prononce pas ton nom parce qu'avec toutes les voyelles, enfin, t'as pris un forfait voyelle, enfin consonne et sans les voyelles, c'est un peu plus compliqué. Mais Nidaros, Stone Age, ouais.
On a les lieux saints à les chercher de toute façon, on est d'accord. Bon, allez, on va aller chercher le Caire. Ah, il me fait passer forcément par là. Mon fils est un fauteur de troubles. Sale gosse. Ouais, ça va. Il va pas avoir le maximum. C'est un guerrier plutôt et ça me plaît pas des masses. Culture à Syracuse. Ça me va. C'est qu'elle, elle est sicilienne. Ça m'arrangera. Le duc d'Hollande faisait partie des... D'accord, ok. Le petit frère de Gaston Lagaffe, d'accord, ok. C'est oui, quand on le sait, ça convient. Après, quand on le sait pas, c'est plus compliqué. Façon, il y a un moment, on va devenir empereur, hein, donc il va falloir créer des royaumes et autres. Donc mieux vaut avoir des territoires, hein, qui permettent. Si j'exige sa conversion, 61%. On va laisser monter, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. On va prendre Cherkia. On ira jusqu'à Damiette. Parce que tout le monde souhaite Damiette quand on détruit un royaume. Oui, j'ai osé la faire, hein. Oh, une petite Astrid. Intéressante cette enfant. On peut te surnommer Mini Gaston. Caserne en bois à Syracuse, ça m'arrange, ça va faire des soldats en plus. Ah, il y en a qui avaient une revendication sur le sultanat d'Égypte. D'accord, moi bon, c'est bien. Pourquoi on a des armées du Bayeux ici? Je ne veux laisser que Damiette, une fois que je suis passé. Ce jeu de mots est pourri, mais alors qu'est-ce qui me fait rire? C'est bien quand les vassaux développent leur territoire, oui. C'est moins bien quand tu dois faire la shipment ou t'as pas le droit de dépasser les 80 territoires. Ça, c'est plus gênant, mais. Mais bon, après, voilà. Enfin, on n'est vraiment pas embêté, hein. L'adversaire n'est pas là pour nous être gênant. Il a même pas de thune. Ouais, d'accord, il a même pas de thune pour nous donner quoi. On en est là. Fin des études. Au revoir Snorri. Ouais, quand même, c'est un bon garçon là. Je suis un bourrin et j'aime ça. Hein. Bon, allez hop. Éduquer enfant.
Mon armée me coûte un bras. Non, elle coûte le bras de mes ennemis. C'est eux qui payent mon armée, donc elle me coûte pas un bras. Il reste un second bras de toute façon, ça suffit. C'est pas faux. C'est pas faux. Si on le prend comme ça marche aussi, oui. On a capturé des gens. Ah oui. On a capturé des gens. J'aime le principe, hein.